Qui te le demande? Oh, c'est le voisin du dessus, un amateur de bel canto. Ah oui, là je vais le faire taire, moi. Ah, tu vas avoir des ennuis. Ah, parce que tu le soutiens en plus? Ouais, c'est pas un mauvais coup. Et en plus, moi, il me réveille plus. Ah oui? Eh ben, je vais te réveiller, moi. Arrête, t'es folle! C'est moi la folle, mais écoute-moi ça! Aïe! Oh! Aïe! Calme-toi, tu vas réveiller les voisins. Je chienne comme un bœuf, imbécile. Comme une vache imbécile, tu veux dire? Salut! Je le retiens, ton baratin. Tu ne sauras plus où tu es. Je sais où je suis, à l'escalade Milan. Ma chemise! La calotte, la chemise. Ne sens pas à travers. Tu préfères pas le café avant de partir? Vache imbécile ne sait pas faire le café. Paris, vous sortez de chez Monsieur Valentin. Comment le savez-vous? Toutes les filles qui descendent de chez ce voyou sont mal élevées. Et c'est fréquent? Presque tous les jours. Elles sont réveillées par la musique et s'en vont furieuses. Comme ça, il n'a pas besoin de les flanquer à la porte. Ça va faire mal. Au petit déjeuner. Vous avez oublié une quantité non négligeable de mousse à raser sur votre visage. Ça ne fait pas propre. Pardon, mademoiselle. On m'a dit que le bistrot était sur le trottoir d'en face. Ah ben, s'il est sur le trottoir d'en face, il doit être de l'autre côté. Hein. Alors, j'y comprends rien, moi, j'en reviens. Et puis, on m'a dit que c'était ici. Alors, je crois que je peux plus rien pour vous. Oh, mon Dieu, j'y comprends. C'est belle, moi. Hé, y a quelqu'un qui peut me dire où c'est le trottoir?
Alors voilà, ça y est, j'ai réuni tout un dossier sur le pharmacien. Ah bon? Bien. Alors, fraude-t-il ou ne fraude-t-il pas? Eh bien, alors là, voilà, monsieur, je ne sais pas. Comment, vous avez passé 9 mois à bûcher ses comptes? Vous n'êtes pas capable de savoir s'il vole le trésor public? Une minute, monsieur. Regardez là l'écriture du pharmacien. Elle est indéchiffrable, c'est pire qu'une codification IBM. C'est très lisible, mais c'est tout à fait lisible. Est-ce que je peux me permettre de vous faire remarquer que vous tenez la feuille à l'envers? Je le savais, ça vient. Écoutez, nous réglerons ça plus tard. Enfin, mais là, tu tombes bien. Dis-moi, catastrophe, tu l'écris avec un F ou deux F? Vladimir est là? Oui, dans le studio avec un huissier. Une pendule sans aiguille, 2 cadres sans tableau, une voiture d'enfant. Sans enfant? Sans enfant. Bon, la vente, c'est pour quand? 3 semaines. Sortez. Ça te regarde. J'ai attendu toute la nuit. Mais je ne t'ai jamais dit que je rentrerais. Alors pourquoi rentres-tu? Je ne rentre pas, je ne fais que passer. C'est ça, passons. Un séquoia, 2 palmiers. Mais t'es encore là, toi? Tu lui as rien dit? Si, tout. Y compris que tu m'as fredonné du reggae dans les oreilles toute la nuit pour m'obliger à suivre ton rythme minable. Mais c'était pas du reggae, c'était de la musique de chant. Tu tombes bien. Catastrophe, tu l'écris avec un F ou deux F? Qu'est-ce que ça sent? T'aimes pas? C'est mon nouveau parfum. Horizon sauvage. Si. Ça y est, ils ont coupé les 3 lignes de téléphone. Les 3 à la fois, c'est vraiment ignoble. C'est mal parti. Je ne donne pas cher de votre société. Moi non plus. Ah, Valentin, quel bon vent t'amène? Je viens chercher mon chèque. Quel chèque? Pour le dernier tournage. Ah oui, c'est vrai. Combien je te dois? 7 000, tu sais bien. 7 000 francs. Francs? Ah oui, ça je sais, qu'est-ce que tu veux, mais ça fait 6 mois qu'elle est à l'essai et à l'œil. Elle me le fait bien sentir, hein. Bon, Valentin, je voudrais te parler sérieusement. On est amis, n'est-ce pas? Oui, certainement. Eh bien, voilà ce que je te propose. Tu me prêtes 3 000 francs pour payer le téléphone. Et moi, je te dois 10 000 francs. C'est bien, hein? Je ne partirai pas d'ici sans mon chèque. Non, mais la comptable est partie sans préavis. Je ne sais même pas où sont les carnets de chèques. Moi, je sais. Oh. Personne n'a pitié de moi. Hein? Et mon boucher, tu crois qu'il a pitié? J'aurais pas cru ça de toi. Où en est l'affaire du psychanalyste? C'est extrêmement délicat, monsieur, parce que en lisant ses notes de travail, j'ai découvert qu'il avait un ministre dans sa clientèle. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est que le ministre lui dit tout et... Oh, avec un tutu. Oh. Ah non. Quoi non, non. Quoi? Avec une tortue. Tiens. Et c'est pas tout, hein, il y a aussi la femme de qui, chef, parce que j'ai pas bien entendu. Ça ne vous regarde pas. Ah, monsieur Ficelle, faites votre devoir jusqu'au bout. Le scandale, monsieur, le dangereux scandale. Personne ne s'imagine combien il serait facile pour les contrôleurs fiscaux de faire sauter les gouvernements, de ruiner les carrières et les fortunes. Nous pourrions être les Talleyrands du monde moderne. On porte quoi? Allez, on fait la paix. Qui t'a autorisé à venir troubler mon petit déjeuner? Tu disais pas ça hier soir. Hier soir, tu m'as fait boire. Moi? Et ça ne t'a pas trop gêné de te trouver face à Vladimir ce matin, hein? Et toi? Imbécile. En tout cas, j'ai mon chèque. Ton chèque, ça m'étonnerait. Tu veux boire? Payé contre ce chèque, 70 francs. Thank you.
Allô? Madame Perceval? Ne quittez pas, je vous passe Vladimir. Vladimir, téléphone! Madame Perceval! C'est Vladimir! Eh bien, le producteur du film. Quel film? Eh bien, description sectorielle d'un condamné à vivre. Oui, alors, 28 entrées pour la dernière séance. Alors, la journée d'hier. Ah, c'est pour la semaine. Mais vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Oui, ça. Oui, au revoir, madame Perceval. Au revoir. Oui. Bah alors, ça va pas? Ah bah tu sais, c'est pas que description sectorielle d'un condamné à vivre, ce soit un mauvais film. Enfin, un plan séquence de 2 heures dans une salle de bain déserte, ça fait long, hein. Qu'est-ce que tu veux que je produise, hein? Les bidasses aux Folies Bergères. Un film de Luc. Enfin, un érotique, quoi. Un érotique? Ah non, je t'en prie, hein, Nathalie, sois pas vulgaire. Ça ne va pas du tout. Incapable? Vous êtes tous des incapables. On n'a pas réussi à coincer une seule personne ce mois-ci. Je vais vous montrer comment on fait. Moi. Donnez-moi le premier dossier. Tenez. Voilà. Production contre champ. Production contre champ. Alors, le cinéma. Ils vont voir de quel bois je me chauffe, ceux-là. Et croyez-moi, ça va faire mal. Ça va même faire très mal. Ça va faire mal. Je voudrais voir le responsable de la société Contrechamp. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous venons vous voir pour des raisons professionnelles. Ah, vous voulez louer les studios? Je crains que vous ne vous mépreniez. Nous sommes des contrôleurs fiscaux. Nous serons discrets, mais impitoyables. Oui, vous n'allez pas vous installer dans mon bureau tous les trois? On peut savoir pourquoi? Parce que... On est déjà les trois, quoi. Très bien, je resterai donc seul, ferme et résolu. Mais je peux vous dire que si je trouve la moindre fraude, je frapperai fort et juste. Autant vous prévenir que je suis incorruptible. Le salopard de Vladimir est encore là? Oh, Valentin, t'as pas honte? Non. Dis, comment tu trouves mon nouveau rouge à lèvres? Rouge? C'est mon nouveau chapeau. Nouveau? Bah alors, je te plais toujours pas? Si vous voulez, vous pouvez vous installer dans le bureau de la comptabilité. Qui est où? Là, tout de suite à droite. Monsieur Léopold? Mais s'il n'y a plus de monsieur Léopold, il n'y a que le fonctionnaire. Et le fonctionnaire ne connaît personne en dehors de ses fonctions. C'est ici. Ça va. Bon, ben, je vous laisse. Tu le connais? Un peu que je connais. Et crois-moi, je vais lui dire 2 mots sur la façon dont tu payes tes salariés. Pardon, je voudrais voir vos livres de compte. Les... Eh bien, ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas. Ah, oui, attendez, oui. Attali! Apporte-moi les dossiers comptables. Trop chaud dans vos bureaux. Ah, vous voulez quelque chose à boire? Non. Oh non, non, on m'achète pas. Non, je dis c'est ça. Oh non, je sais, je sais. On commence par un petit verre et ça finit par une caisse de champagne millésimée. Je vous ai dit incorruptible. Oh, c'est le nouveau comptable! Oh bah ça tombe bien. J'ai pas encore réussi à intégrer vos frais bidons pour votre séjour aux Seychelles avec Pamela. Merci, mademoiselle. Vous m'aidez beaucoup. Oh bah y a vraiment pas de quoi. Monsieur est contrôleur fiscal. J'ai gaffé. Oh bah heureusement que j'ai pas parlé du manteau de fourrure de Gina. Ah bon, parce qu'en plus, vous êtes un homme à femme. Continuez, mademoiselle. Mais non, monsieur le contrôleur, elle plaisante. N'ai-je pas, t'as une petite plaisante? On ne plaisante pas avec moi. Mon chèque. Ouais, bah, oui, non, non. Mon chèque. Mon chèque. Il est rayé, celui-là, il répète tout le temps la même chose. Dites donc, vous êtes un drôle de coco, hein? Vous menez une vie de patachon et vous dissimulez des fortunes énormes au fisc. Mais non, moi, je suis pauvre et honnête. Je vous crois riche, malhonnête et rapace.
tel un aigle royal qui arrache la laine des agneaux et qui souille les colombes. Je veux ton argent tout de suite. T'as vraiment plus rien d'humain, hein? Tu m'écœures. Oh ben, je vais rendre la voiture en partageant l'argent. Tu peux en obtenir un bon prix si tu veux. Tu ferais ça pour moi? Pour toi non, mais pour moi, ouais. Hey, prends ta machine et tes dossiers, je vends la voiture. Un téléphone. Mais arrête de pleurnicher comme ça. Avec l'argent de la vente de la voiture, je pourrais payer la note de téléphone des bureaux. La radio. Ça, la radio, c'est la seule chose qui donne de la valeur à la voiture. Elle veut pas démarrer. Tu vas sentir que c'est la fin. Compte pas sur moi pour pousser. Ah, je ne compte plus sur toi. Faut pas pousser. Et pourquoi les producteurs roulent toujours dans des bagnoles américaines? Parce que le ticket de métro se paye comptant. Ah d'accord. Oui mais alors pour la bagnole? Pour la bagnole, ils payent cash. Même si t'as paumé la carte grise. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Non? Ah ouais. Bon ben la vue du pays, hein. Dites-moi, c'est... Ouais. Ben, c'est pas une voiture qu'on voulait vendre, c'est un Chris-Craft. Un père à Tizane, 32 litres au 100, hein. Oui, c'est une voiture de caractère. Non, c'est une voiture... Hein? Bouger. Mais... voler. Mais non, pas du tout. Pourquoi vous la vendez? Parce que j'ai besoin d'argent. Besoin d'argent? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Cinéma. Je suis producteur de films. Producteur de cinéma, et vous avez besoin de pognon. Dites, vous croyez pas que c'est avec le prix de Stade Bouze de pouvoir financer des films? Hein? Vous en faites quoi comme sinoche? On fait des films d'auteur. Ah, films d'auteur. Ah. Bah, vous feriez un autre genre de truc? Moi, je pourrais vous en trouver du pognon. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? Bah, un truc avec des tapoils et tout ça. On va mettre dans les 15 bâtons. Tu veux dire 15 briques? Oui, merci, j'avais compris. Ah ouais. Monsieur serait susceptible d'investir 150 000 francs dans un film à condition que celui-ci comporte quelques scènes déshabillées. C'est exactement ça. Il n'en est pas question. Mais il faut trouver un sujet, un metteur en scène, des comédiennes. Pour les comédiennes, il n'y a qu'à passer une annonce. Et la mise en scène, tu l'as fait toi-même? Ah non, pas question, hein. Je veux bien me compromettre, mais jusqu'à un certain point. Ah bon? C'est ce qu'on raconte à propos de Beethoven. Mais il était tellement sourd qu'il a toujours cru qu'il faisait de la peinture. Ça a pas l'air de te faire marrer. C'est pour moi 10 fois que tu me le racontes. Ouais, 10 fois, mais 10 fois que je le raconte. D'abord, qu'est-ce que tu me veux? Je voudrais que tu m'écrives un scénario facile à tourner avec beaucoup de figues. Ah ben alors là, je vais te dire, hein. Tu tombes bien, parce que moi, des scénarios, hein. Des scénarios, j'en ai plein la tête. Et qu'est-ce que tu veux comme scénario? Un scénario pas cher. Mais alors que ça reste entre nous, vous ne dites rien à personne, hein. Et puis vous me la gardez. C'est bien, que vous ne touche pas. Cherchons actrice, pas nécessairement comédienne, avec ou sans partenaire, mais libérée, pour interpréter rôle dans œuvre audacieuse à vocation artistique et littéraire. Voilà, tu fais paraître ça demain. Vous êtes François Léo. Alors, vous êtes physionomiste, hein. Paf, on en pas identifié, hein. Ah, j'ai vu tout au film à la cinémathèque. Vous avez vu mes films? Oui, moi, je les ai jamais vus, alors. Et ceux des autres non plus, d'ailleurs. Je ne comprends pas comment les gens peuvent me prendre pour un créateur, alors je fais toujours n'importe quoi. Moralité, d'ailleurs. Il vaut mieux faire un film incompréhensible et plaire que le contraire. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, moi, je sors, moi. Bonjour, monsieur. Ah, Vladimir! Oh, François! Ben, je vois que t'as pas changé, hein. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Les affaires vont être difficiles, hein. François, ça me fait plaisir de te revoir. Ah, ben alors, profite-en, parce que les plaisirs gratuits sont de plus en plus rares. Tu veux une cigarette? Non, merci, j'arrête de fumer, c'est très très dur. Eh ben, t'as tort, c'est pas difficile du tout, moi j'arrête tous les jours. François! Oui? Je voudrais que tu fasses un film pour moi. Dis donc, t'es devenu fou ou tu te fous de moi? Non, c'est sérieux, François. J'ai besoin de ton talent, j'ai besoin de ton style, j'ai besoin de ta vision des choses. Tu comprends? En un mot, j'ai besoin de toi. Bon, alors il va falloir tout de suite parler de l'ampleur de l'œuvre. Oui, ça on peut en parler. Oui. Disons tout de suite qu'on met une paye. Ah bah, on va passer dans mon bureau. C'est un bureau? Oui! Ici? Ah, parlons-en. Bon, 10 000 francs par jour. Correct. Hein? Très correct. Combien de semaines de tournage? 3 jours. Tu veux dire 3 semaines? Non, 3 jours. Parce que François, il faut que je te dise, tu vois, c'est quand même très important. C'est un film... disons que c'est un film X.
Non mais attention, attention, hein, pas de série B. Non, ah, je veux quelque chose de, tu vois, de culturel, d'artistique, aucune vulgarité. C'est avec des gens tout nus qui... Oui, mais tu sais, dans ce genre de film, les gens tout nus, c'est un peu comme, comme les chevaux dans le western, hein, il faut que ça saute. Non, François, il faut que tu le fasses. En souvenir de notre vieille amitié. Bon, ben écoute, si je tourne comme je le sens, c'est d'accord. Bon, alors je demande à Attali de te préparer un contrat, hein. Alors, tu veux une petite avance sur les 30 000 Oui, si hein? tu veux, oui. 29 000, par exemple. Ah, 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 non, non, écoute, attends, on va pas recommencer à faire des gammes, hein. Bon, on commence quand? Après-demain. Ah, après-demain. Bon, ben écoute, le mieux, c'est de tout préparer ici. Je dormirai sur place. Mais oui, ça sera mieux pour te concentrer. Oui, non, c'est pas ça du tout, je vais être mis à la porte de mon hôtel, alors... Ah, bon, et oui, on t'a pas suivi? Ben, je crois pas. Dites donc, je vois là une facture de 5500 francs pour l'achat d'un vélocipède à 5 places. Hein? Un quintuplo? Ouais. Vous n'avez rien trouvé de plus vraisemblable pour justifier vos dépenses clandestines? Ah, c'était pour un film. Quel film? Ah, on l'a pas tourné. Ah bah voyons. Alors, moi j'ai acheté une barboteuse à 5 places. Pour les quintuplés que ma femme risque d'avoir, dans le cas je me marierai. Ça coule de source. Ah non, mais moi je peux vous le montrer le quintuplo. En peinture? Ah, en chair et en os. Non, mais vous entendez ce que vous dites? Enfin, je veux dire en guidon, en pneu, en dur, quoi. Oui. Alors où est-il ce véhicule pour transport en commun? À la campagne. Loin d'ici? Oui, une vingtaine de kilomètres. Allez le chercher, je bouge pas, moi. Valentin! Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas. Moi, je sais. Ah bon, tu sais? Oui, je sais. Je suis content que tu le prennes comme ça. Falloir en mettre un coup, hein. Tenir la distance. Falloir pédaler. Tu peux compter sur moi. Vous faisiez rien comme restaurant, vous. Que j'ai trouvé là l'édition, vous auriez aimé soustraire à mon attention. Ça va multiplier vos problèmes, mon petit bonhomme. Joli caviar, 5 portions. D'après ce que je vois, vous étiez 3. Salade de tomates, homard à l'américaine, coquille Saint-Jacques... Qu'est-ce que c'est, Saint-Jacques? Jambon de Paris, oui. Et yaourt. Oh, c'est très bien, ça, hein? Ça me donne vraiment très faim. Vous pouvez livrer ça au plus vite, hein? Et en plus, vous faites hôtel? Mais non, ça c'est mon metteur en scène, François Léo. Bon, dites donc, moi je crève de faim, vous venez manger un morceau? Oui, pourquoi pas. Non, à une condition, c'est que je peine à part. Hein. Non, ben, bon. Moi je vais me coucher, hein. À demain, je suis crevé. Quoi, à demain, non, mais vous plaisantez. Je continue après dîner. M'est venue assez tôt. À 4 ans, j'avais ma première caméra. Moi, à 30 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais bien pensé à la pisciculture, mais ma mère s'y est toujours opposée. Votre mère détestait la mer? Thank you.
le pognon. Faites pas les cons, hein. À une inversion de bobine au festival de Vesoul. Une inversion de bobine, ça veut dire que l'avant-dernière bobine a été passée après la première et donc la seconde venait la troisième. Je ne sais pas à quel moment précis on m'a considéré comme un génie, mais ça m'a fait un tort considérable. Oh, c'est chaud, ça. Quelle journée. Je suis épuisée. D'où tu sors? Bah, je suis allée voir autant en emporte-le-vent. Depuis midi? Bah oui, depuis midi. Tu te fous de moi ou quoi? Non, mais c'était tellement beau que je suis restée aux trois séances. Ça va faire mal. Toujours ton petit canard en sucre. J'ai sommeil. Mais qu'est-ce que t'as? J'ai décidé de prendre un appartement. Quand ça? Demain. Gisèle me laisse son meublé. T'es plus ma petite colombe? Laisse-moi dormir. Quoi? Vous y connaissez? En poisson? Ah non, en zoologie. Ah non, pas du tout, super. Bon.
Bonsoir, Vladimir. Hein. Bonsoir. Quoi? Quoi? 50 000 francs de moquette? 5 millions de centimes? Ah, c'était de la moquette pure laine. Un caprice d'un metteur en scène. Tout ça, c'est de la fraude ou du gaspillage. D'ailleurs, je lis le résumé du scénario. 3 acteurs, la nuit, dans un blocos. Ah, vous connaissez vraiment rien à la mise en scène moderne, vous. Hein? Ça n'est pas impossible. Mais quand je vois pose de moquette 50 000 francs lourds, oui, et que tout se passe dans un blocos, oui, pendant le débarquement des Alliés, oui, je me demande si c'est bien raisonnable. Non, non. François, tu t'es fait mal? Non, ça va un peu. Je suis tombé en vrille, là. Ah oui, ça c'est... C'est dangereux, ce truc-là. Ah, attention. Ah, oui, là, c'est... Je suis... Je t'aborde un peu. François, j'ai besoin de ton aide. Je dors. Ah oui, il y a un cadavre sous le lit. Très bien. Prends une idée, là. Et après? Non, mais c'est un vrai. Oui, ben, j'ai bien compris. Mais j'adore diriger les cadavres. C'est des êtres dociles et qui ont du savoir-vivre, figure-toi. Oui, excuse-moi de t'avoir réveillé. Mais c'est rien, je dors toujours. Demain, on commence par le ranger en inverse. Merde, ma clé. Oh, c'est toi, Vladimir. Oh, j'ai réfléchi à ton histoire de cadavre. Hein. L'idée est excellente.
ci dall'amore, poiché quel doppio al cuore ogni poteva. C'est pas un poisson qui va faire la loi ici. Je vais lui tordre le cou à son poisson, moi. Francs volés au péage de l'autoroute du Sud par un malfaiteur qui a réussi à prendre la fuite. Tiens, prépare-nous des cafés et un triple pour moi. Un triple café, mégalomane. Moi, cher ami, vous n'êtes pas un escroc, mais vous êtes maladroit. Vous auriez pu frauder avec plus d'adresse. Si vous connaissez toutes les méthodes que je connais, vous auriez moins de soucis. De la moquette dans un blocos. Oh. Bah, si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à voir le film. Je n'ai guère le temps de me relaxer dans les salles obscures. Bon, ben, je vais vous montrer la cassette, moi. Ma cassette. On m'a volé ma cassette. Ah non, la voilà. Oh, c'est impressionnant. Oh, elle est jolie. C'est... Ah, Pamela. Mais ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrête? C'est pas la bonne cassette. Non, mais ça fait rien. Là, je veux voir Pamela, moi. Ah. Qu'est-ce qu'il a réalisé, là? Le style est très Hitchcockien, hein. Un japonais, Akiza Kirigusho Gumamatowa. Non, ça, c'est pas un porte-avions, hein, c'est un cinéaste. Pour mon information et pour la validité de mes contrôles, il serait utile que j'assiste à votre prochain tournage. Y aura-t-il, Pamela? Ah ben, elle était pas prévue, mais enfin, si elle est indispensable, la validité de vos contrôles... Pamela est dans le film. Bah alors, qu'est-ce que je tape, moi? Eh ben, tu tapes le titre. Puis en dessous, tu mets scénario original et dialogue de Marcel Henry. Oh, c'est votre nom, ça? C'est un pseudonyme. Ah oui? Et c'est quoi votre vrai nom? C'est Henri Marcel. Ah. Bon, ben, je suis prête, on peut y aller. Alors, voilà. C'est un Boeing 747 qui percute un building de 63 étages à New York la nuit. Ça, on le verra pas. Pourquoi? Because ils vont gueuler, c'est pour le fric. Alors, il y a deux survivants. Il y a l'hôtesse du Boeing... qui est coincé dans les chiottes, enfin, je veux dire, dans les toilettes, quoi. Oui, oui. Et puis, t'as le liftier du building qui est enfermé dans l'ascenseur. Mais ils ont beau être séparés par quelques centimètres, ils ont un mal fou à correspondre. Comment? Alors, première séquence, il nous faut un saladier bleu, un arc et des flèches, et une couronne mortuaire. Hein. Deuxième séquence, Cynthia portera un slip rose et un chapeau haute forme. Et son mari aura un revolver vert. Hein? Ah oui, tu prévois 6 balles blanches. Hein? Et puis une grenade et des faux billets de banque. Eh, pas si vite, je prends pas un sténo, moi. Bon, tu recopies là-dessus. Hein? Allez. Allô? Ah bon? Toi aussi, tu viens pour l'annonce? Ben oui. Comme je vais passer avant toi, je peux te donner un conseil terrible. Tu dragues l'assistant réalisateur. Remercie-moi, tu dragues. C'est pas vrai. Ah. Si tu veux faire ce métier, ça va payer ta personne. Ah non, non, madame, pas du tout. L'arrêt d'autobus, il est par là. Et c'est un porno. Attrape un duel, madame. Je weiß nicht. Ah, je préfère renoncer à ce film. Pourquoi? T'as plus l'argent? Si, j'en ai même déjà dépensé une partie. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton commanditaire? Ah, c'est justement ça qui me préoccupe. Où tu vas? T'as fait du quoi prendre mon petit déjeuner? Ah, je te rejoins. Bon, c'est pas la peine. Tu vas aussi aimable. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas bien, je fais des pommes de vapeur. Ah, c'est bon, ça. Ah ouais? Bon. T'en veux une? Non, pas maintenant, je suis un peu barbu. Ah bon.
Tu me donnes un double jus de tomate et une tartine, s'il te plaît. Beurre ou confiture, les tartines? Ah, c'est mal. Et moi, tu me payes pas un petit blanc? Non, non, lui, il boit rien, il faut qu'il finisse son scénario. Faut pas attendre, quand même. Alors, ça avance? Panne sèche. Un café, un double. Pamela, j'ai des gros soucis en ce moment. Non, parce que moi, tu crois que j'en ai pas des soucis? Entre toi et mon déménagement? Toi, Coupeau, tu pourrais pas me donner un coup de main avec l'américaine? Le coffre est grand et... Ah non, non, pas question. Tu vois, on peut jamais rien te demander. Écoute, je risque gros avec le polyvalent. J'ai pas payé ma TVA depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu y plais beaucoup. Tu entends ce que t'es en train de me demander, là? T'es en train de me demander de faire le trottoir pour payer ta TVA? Mais non! Sans aller jusque-là, mais enfin, tu pourrais être aimable avec lui, le mettre dans ta poche. Dans mon lit, tu veux dire? Je suis une actrice, moi, pas une call girl. Écoute, chérie, tu fais ce que tu veux, selon tes sentiments, mais pense à nos intérêts. Ça m'ennuie de te demander ça. Et si je réussis, je l'aurai, mon petit pingouin? De quelle couleur? C'est mademoiselle Pamela. Vous me connaissez? Je suis votre admirateur récent, mais fervent. Eh bien, je vous laisse. Vous êtes merveilleuse. Vous me flattez. Non, non, pas du tout. Et même, permettez-moi de vous dire aussi que vous êtes merveilleuse. Comme il est mignon. Comment s'appelle-t-il? Merveille. Georgette. Souvenir de ma mère. Bon, ben, je vais m'en aller. Déjà? On peut se revoir, si vous voulez. On pourrait dîner ensemble ce soir. Non, vraiment, vous accepteriez de venir dîner avec moi? Écoutez, je viens de louer un appartement. J'adore faire la cuisine et je suis un fin cordon bleu. Je vous ferai des sardines en papillote. Non. Bon, des vol-au-vent financières. Ah, je vous préviens tout de suite. Je n'accepte de tourner que les films X de série A. Je suis une intellectuelle, je tourne très peu. Les vrais créateurs sont si rares. Évidemment, il y a Robert Bresson. Mais elle n'aime pas beaucoup les comédiennes professionnelles. Oui, écoutez, je suis François Léo. Léo? Oui, oui. Ah, mais j'accepte de tourner sans attendre. Ouais, j'admire vos films. J'ai vu 6 fois La Torche humide. Oui, ça c'est... J'ai même écrit une critique pour la revue négative à ce sujet. Attendez, je me souviens de la fin. Là où tout s'échouèrent en voulant plaire au public, Léo est resté distant et pervers, en refusant toute signalisation de sens qui pourrait produire à reconnaître, lequel ne serait qu'une colonisation impérialiste du spectateur. Très bien. Alors moi, je lis jamais les critiques. Hein. Non, mais je comprends. La peur d'être influencé. Non, mais je suis folle de joie à l'idée de tourner avec vous, vraiment. Certainement, certainement. Mais alors, là, il faut vous dire, je réalise Les Dents de l'amour. Hein. Les Dents de l'amour? Oui, bah quoi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Comment tu veux que je me concentre avec un vacarme pareil? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je te promets que je serai obligé de faire un choix. Ce sera lui ou moi. Alors comme ça, vous appelez Cynthia Decaze, hein? Mon vrai nom, c'est Catherine Decaze. Ah bon? Mais il y avait déjà Catherine Deneuve, alors vous comprenez, ça a prêté à confusion. Et vous avez déjà un peu joué la comédie? J'ai fait 1 an de conservatoire, à 7. Ah oui. On était 5. Ah bah oui, vous étiez 5 à 7, quoi. Vous pouvez faire quelques pas, c'est juste pour voir. Oui. Et vous avez déjà tourné dans des rôles sans les... Enfin, un peu déshabillés? Oui, dans une pub pour des surgelés. Oui. Et vous avez enlevé quoi, là? Presque tout. Bon. Ah. Parce que, voyez-vous, dans Les Dents de l'amour, nous avons, eh bien... Enfin, explique-lui, toi, parce que moi, je... Moi, bon, attendez, imaginez qu'au lieu de tourner dans un congélateur, on fasse ça dans un sauna. Voilà. Mais quoi, ça? Et, ben, par exemple, une scène de visite médicale, dit 33. Une visite médicale dans un sauna? Oui, non, l'exemple est mauvais. Non, non, imaginez que ça se passe avec des amis autour d'une piscine, le soir, vous avez décidé de prendre un bain de minuit, vous avez oublié votre maillot, qu'est-ce que vous faites? J'emprunte un maillot à Gisèle. D'accord, vous avez des photos, ça ira plus vite. Vous allez comme ça? On rentre? Ça vous dirait pas de venir manger une petite graine avec moi? Bah, mais qui êtes-vous? Oui! Oui, oui. Je vais manger un morceau. Non! Je laisse Georgette, si vous pouvez aller jeter un coup d'œil de temps en temps. Ah, très bien. Demandez-lui d'aller surveiller Georgette. Oui, oui. Ouais. Non, pas, non. Comment non? Pour vous, oui. Bon. Mais pour toi, non. Hein? C'est ça, d'accord.
Bah alors, monsieur Léo, on drague? Je me demande si je vais pas la prendre dans le film. Elle a un œil, un œil. Oh, la queue. Pardon? Ben, c'est vrai, elle a une belle queue. Belle mentalité, mademoiselle Nathalie. Ben, bravo. Tu leur as fait là? Rien, je sais pas ce qu'il leur prend. Tellement faim, moi je serais capable de taper un homme sandwich. Un gros? Non, un menu. Tout menu. Oh, monsieur Léopold, vous voulez pas vous joindre à nous? Non, je vous remercie, je finissais mon café. Ah. Ah, c'est vidé à toute vitesse. Hein. Ouais, bah c'est quand même pas une bouteille. Hein. Ah non, je vous jure. Hein. Bah alors c'est qu'il y a une masse. Hein. Une masse de quoi? Bah une masse, c'est comme une bouteille. Vous la mettez à l'envers, le goulot en va, vous retirez le bouchon, et ben l'eau elle s'en va. La masse aspire l'électricité. Alors ça va recommencer? Comme deux et deux font quatre, ouais. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut trouver la masse. Bah alors, allez-y, cherchez la masse. Et le gars, vous avez vu cette masse, là? Bon, bah alors, quand est-ce que vous allez pouvoir vous en occuper? Oh là, enfin, avant deux, trois semaines, hein. Oh là là. Oh, ça... Où tu vas, là? Oh, t'es devenu sourd ou quoi? Hein? Ah non, je réfléchissais. Ah bah, je vais en repérage. Quoi? Tu vas en repérage tout seul? Non, hé, le metteur en scène, il a quand même son mot à dire dans le décor. Tu te fous de moi ou quoi? Valentin, monte derrière, j'ai besoin de mon assistant. Qu'est-ce que tu fais? T'as oublié qu'on allait en repérage? Bon bah, vous l'aurez volé. Ça se voit bien, mais pourquoi tu nous as amenés ici? Et pour les repérages? C'est censé se passer dans une tour, dans un bateau et dans un train avec des vaches. Qu'est-ce qu'on fait au fond de cette carrière abandonnée? Ah, on regarde. Attends, on regarde quoi? Les cailloux? Le sable? Eh non, mais si vous montiez là-haut, derrière la colline, je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants. Moi, je sais pas, un vieux bateau, quelque chose comme ça. Il a perdu les pédales, c'est pas possible. Ah ben alors, si on peut plus rigoler. Attends, rigoler. C'est ça ton humour? Alors, vous voulez vraiment pas aller voir ce qui se passe derrière? Non! Foutons le camp ici! Moi, j'en ai marre de tes conneries! Eh, comme vous voulez. Oh là là. Caractériel, hein. Allez, y'a personne. Voilà, alors là, t'as des vaches. Comment? C'est plein de vaches. Oh, qu'est-ce que ça pue par ici, hein? Il a fallu que tu nous arrêtes juste devant une décharge municipale. Non, mais sans l'oubli, la décharge en ville. Si c'est ça la nature, dis donc. Bah, derrière la butte, là, tu vois, c'est plein de vaches derrière la butte. Ça, les. Derrière la butte, il y a plein de vaches derrière la butte. C'est... Ah si, c'est très bien là-bas. Oh, qu'est-ce que tu fabriques? Non mais tu te rends compte? Il essaye de nous semer ce coup-là! Moi je tourne pas la fenêtre avec un type pareil, hein! Ah non! C'était une blague, je me serais arrêté au bout de 20 mètres. Oh ouais, t'as vraiment des blagues qui puent. Alors toi, si tu veux te payer, t'as intérêt à la fermer, hein. Allez, avance. En plus, ça pue, par exemple. On va te sortir, toi, c'est rare. Oh, on va en reparler. Vous le véhicule? Oui.
Vous avez les papiers? Oui, j'ai... Vous savez que vous n'êtes pas en Angleterre? Oui. On le dirait pas, vous roulez à gauche. Ah ouais? Là, on ne recommençait pas? Non. C'est la suspension arrière qui est écrasée? Ou bien vous transportez des colis très lourds? Ah non, c'est la suspension. Vous avez la clé du coffre? Ah oui, je le sais. Vous pouvez ouvrir le coffre? Oui, je peux. Vous êtes officier de police judiciaire? Pardon? Je suppose que vous êtes muni d'une commission rogatoire pour fouiller ce véhicule. Pourquoi vous mêlez, vous? Et vous savez qu'il y a eu du changement depuis quelque temps. Vous avez vos papiers? Parfaitement. Allez, circulez. Ouvrez-moi ce sac. Vous cherchez les ennuis. T'en fais une tête, toi, on dirait que tu trimbales un cadavre. Hein. Allez, avance, écoute. Ça du mal. Oh là. Bonjour mademoiselle, il paraît que vous préparez un film. Mais oh oui, bah alors vous allez me dire quel tournage vous avez déjà fait, et puis avec quel metteur en scène, et puis si vous avez des photos de vous, nues, et puis si vous avez des perversions nouvelles, enfin je veux dire... Je crois que Gaïra, sont mes compétences, je suis maquilleuse. Oh, ça tombe bien, on en a pas encore sur le film. Oh, vous êtes maquilleuse? Oui. Oh, c'est pas vrai, vous faites des trucs comme dans les magazines, là, avec... Vous allez m'apprendre? Oui. Oui, super. Vous nous quittez déjà? Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, ça y est, votre contrôle est terminé. Non, allons pas si vite. Non, je viens d'appeler un de mes bons amis qui fabrique des pâtes Bottineau. Il est d'accord pour prendre une participation dans votre film. À condition, bien sûr, qu'on voit souvent ses pâtes, ça, alors... On est vraiment dans un film alimentaire, là. Il y a une autre petite condition, mais c'est pas grave. Il souhaiterait que le film soit un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Pas vraiment, non. Il souhaiterait... D'ailleurs, c'est la seule façon de vous en sortir. Mais il souhaiterait quoi? J'ai vu défiler toute la journée des... J'ai vu défiler des créatures qui, moins habillées, n'en seraient que plus attrayantes. Donc, je vous laisse. Et vos acteurs, il faut les maquiller intégralement? Oui, non, nature. Oui. Intégralement nature. S'il faut tourner tout le film dans cette pièce par souci d'économie, ça va poser des problèmes pour les scènes de bateaux sur la mer, d'aéroports, de montagnes, etc. Enfin, la gageure m'excite, mais quand même. Hein. Bon, rigueur et dépouillement sont les deux mamelles du cinéma français. J'aimerais quand même tourner une scène au bord de la mer pour les bateaux, le sable, les vagues. Non. On pourrait aller au petit square d'à côté, là, il y a un bassin. Ça. Non. Bon, alors, dans la rue, là, devant l'immeuble, il y a un caniveau. Non. Écoute, il y a un brouillard à couper au couteau. On n'y voit pas en un mètre. Tout ce que tu tourneras ici peut se passer n'importe où. Tu rajoutes de la fumée, on n'y verra que du feu. C'est vraiment un petit budget, hein. On fait ce qu'on a dit, hein. On fait ce qu'on a dit. Se traduira par des coupures de courant entre 9h30 et 11h30. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Léopold? Vous avez l'air bien pressé. Ma chère Madeleine, j'ai rendez-vous avec une femme. Super. Comment, vous courez les filles, maintenant? Oh, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Moi qui me suis sacrifié pour vous? Ouais, ben désormais, vous pourrez vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Allez, allez. Coucou. Oh, que c'est gentil. Ces fleurs qui pâliront devant votre beauté, c'est pour moi un honneur que de les apporter. Assieds-vous. Vous buvez quelque chose? Oui, plaisir. Whisky, martini, gin? Martini. Sans glace. Et comment devient-on spécialiste des affaires fiscales? À 30 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais bien pensé à la pisciculture, mais ma mère s'y est toujours opposée. Je comprends. Votre mère détestait la mer. Êtes-vous un homme habile? J'ai fait Sciences Po. Vous sauriez réparer une douche? Si vous voulez. Vous me rendriez un précieux service. Ah bon? C'est là. Pendant ce temps-là, je m'occupe des fourneaux, hein. Ah, c'est là. Il faut absolument que je drague quelqu'un. Sinon, je vais faire une super déprime.
Mais la rue est déserte. Tant pis. Je drague la première fille qui apparaît. Tu m'attendais ? Moi et mes paris stupides. Ça va pas, t'as des problèmes ? Oh, tu sais, tu peux tout me dire. J'hésite entre toi et la dépression nerveuse. Bah avec moi, t'auras les deux. Allez, viens, je t'emmène dîner. Eh, tu sais, eh ben, j'ai toute la nuit devant moi. Moi, je t'aurai toute la nuit devant moi. Oh, est-ce que tu peux être macho, hein? Ça marche. Vous pouvez pas rester comme ça. Ah, vous séchez vos vêtements. Je vous attends à côté. Ouais. Tiens, dis donc, je vais te voir le cuirassé Potemkin, là, pour épuiser de l'inspiration. Lui, au moins, il avait un bateau, hein. T'as étudié le scénario ? Le scénario du cuirassé Potemkin ? Mais non, le nôtre. Ah, oui, alors. Ouh, je suis complètement idiot. Ce qui m'étonnerait quand même, où il a été écrit en état d'ivresse, qui me paraît hautement probable, hein. Parce que je peux même te dire à quel moment l'auteur a terminé sa troisième bouteille de vin blanc. Tiens, au fait, tu as vu que le coffre de ta voiture est ouvert, hein. Le coffre ! Non, non, mais ça gêne pas la circulation. Très nu à vos yeux. Dommage. Ça ne m'aurait pas déplu. Comment ? Laissez entendre que... Je me sens si seule. Le cinéma ne remplit pas la vie d'une femme. Pourtant, vous ne manquez pas de partenaire. Hein? Ce n'est pas la même chose. J'ai besoin d'une vraie présence. Laissez-moi me pâmer là. Attends, je vais t'expliquer. Non, attends. Non, c'est un malentendu. C'est pas... Malheureuse. Oh.
Ça va, mon cochonnet? Oh, je suis crevée, il faut que je m'allonge. Ah, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Éteins la lumière. Oh non, je préfère faire ça, la lumière allumée. C'est... Schlack, 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 schlack. Tu sais que t'as brisé ma vie, toi. Ah non, pas de ça, hein. Joyeux anniversaire. Quel anniversaire. Ça fait une journée que nous le connaissons. Après, nous fêterons une semaine, un mois, un an. Là, à la place du canapé, puis le canapé, tu le mets ici. Oh, tu vas voir, je vais arranger ici, ça va être super. Je vais nous faire un beau nid d'amour. Puis je vais mettre de la couleur, hein. C'est tristoun, regarde les murs. Et dans l'opéra qui a ce bar. Oh, c'est quoi ça, mon mignon? J'adore ce théâtre. C'est pas vrai. Ça me donne ces envolées lyriques, là, ça me... C'est pas vrai. Ça me fait un de ces effets. C'est ça... pas vrai. Ça m'inspire. Georgette en promenade? Ah non, plaisantez pas, non. Georgette est malade. Je vais la conduire chez le vétérinaire. J'ai examiné Georgette. Vous n'avez pas l'impression qu'elle boit? Je ne lui donne que de l'eau. Oui, mais l'excès en tout est un défaut. Je crois que vous me cachez quelque chose. Ça n'est pas raisonnable. Eh bien, récemment, une femme est venue chez moi. Enfin. S'appelle Pamela, j'en suis fou. Et Georgette est folle de vous. Alors comment croyez-vous qu'elle réagit, hein? Alors qu'est-ce que je dois faire? De toute façon, il est tout à fait contre-indiqué de faire dormir Pamela dans la même chambre que Georgette. Alors vous allez lui donner ce médicament. À Pamela? Non, à Georgette. Et si Pamela devient jalouse de Georgette? Envoyez-la moi. Mais vous avez un sein d'or. Bah, alors, il va pas vous mordre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, Vladimir, la vie est merveilleuse. Si tu répètes ce genre de conneries, je te fous à la porte, compris? Oh, mais écoute, Vladimir, je suis amoureuse. Écoute, mon petit cœur comme il bat avec amour. Oui, bah, ça te va pas du tout. Ça, t'as une tête bizarre. Oh, bah oui, ça, c'est l'émotion de la nuit. Tu sais pas, Vladimir, je déménage. Ah bon? Ouais. Toi aussi? Tu veux ma nouvelle adresse? Non, pas maintenant. Pas maintenant.
Oh, il a des problèmes, lui, alors. Il est bloqué. Je me présente. Je suis Ricardo Goana. Ah, est-ce que j'ai le temps de me restaurer quelque peu? Vous avez le temps de vous préparer une beurre blanc, d'aller à la pêche au brosset et de vous les faire cuire en papillote. Ça fait une heure! Une heure que j'attends l'assistant et les comédiennes. Dis, ça va le projo, là? Tu peux le piquer un petit peu? Attends, oui, attention. C'est pas la peine. Ça marche pas, ça! Descends, Vladimir! Vladimir! Ça va, non! Vas-y, de le réparer, ce putain, hein! Avant! Oh, avant! Bah, viens à ma place si tu peux le faire, hein! Ah, là! Ça redescend, là? Ah, c'était pas grand-chose, hein! Oh, saute, là! Tu crois? Bah, saute! Ah, tu peux sauter! On est crevé. C'est pas vrai, tu comprends? Non, ça c'est pas vrai, c'est pas possible. 2 heures de retard, tu trouves ça malin? Ah non, pas vraiment. Je suis même obligé de reconnaître que mon idée était carrément conne. Ah bah tu le reconnais, c'est bien. Ah non, bah oui. Mets des bancs. Connard de bagnole, putain de merde! Ça va faire mal. Bon, alors, toi, tu descends du bateau. Mais quel bateau? Ah non, on le voit pas, mais on va mettre de la fumée, ça ira comme ça. Toi, tu lui sautes dessus et tu la violes. Hein? D'accord. Oui. Et pendant ce temps-là, tu racontes ton voyage à Brest, tu la pluies, tu te souviens, t'es triste. Rappelle-toi, Barbara. Où je mets la caméra? Tiens, oh merde, la caméra, oui. Vladimir! Oui. Dis donc, la caméra, si on l'avait été dans le coin là-bas. Oui, pourquoi dans le coin? Ça gêne vraiment les comédiens. Là. Ça, c'est une idée. Amenez le coin. Allez, t'es prête, Fabienne? Dis donc, où est l'alliance? Oh merde, j'ai oublié. Non, cette fois, c'en est trop. Moi, je refuse de tourner sans alliance. On casse! Non, attendez, je crois que j'ai une idée. Bon, alors le producteur a une idée, on casse pas. Merci. Ça y est, là, ça va, hein? Ouais, c'est chaud. Oui, il y a assez, allez. Ça y est. Fais-y attention parce qu'elle n'est pas à moi, hein. Voilà, là c'est bien. C'est bon. Ça va? Oh, qu'est-ce qu'on arrose? Ah, ça c'est mon petit secret. Mais nous, on a une bien bonne à vous raconter. Hein. Eh ben, allez-y, monsieur Bouboule, allez-y, qu'on s'amuse. Eh ben voilà, monsieur. C'est hier qu'a eu lieu le tirage au sort pour le contrôle de la fiscalité personnelle. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est tombé sur vous. Amusant, non? Eh bien, messieurs, à votre bonne santé. Ça va faire mal. J'ai obtenu notre accord publicitaire et je vais surveiller personnellement l'exécution. Et est-ce que vous auriez un réchaud? Bien entendu. Un bon assistant a toujours un réchaud avec lui. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Ça, c'est des accessoires pour la scène du hold-up. Ah. Ah, très content, Bottine. Ah,
Bon, on va répéter avec Ricardo. Préparez la fumée. Que tout le monde allume ses cigarettes. Soufflez. Ah, Ricardo, ah. Tu ris avec intelligence. Hein. Ris. Comme ça ouais. Alors, tu ris sans intelligence, hein, c'est mieux. Écoutez, je crois que quelqu'un pourrait dire... Ah non, 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 vous ne mêlez pas de la mise en scène, hein. Si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites à moi, personnellement. Et je prends la commission. Alors, attendez, je crois que quelqu'un pourrait dire... Avec les pattes bottinots, tout est beau. Avec les pattes bottinots, tout est beau. Avec les pattes bottinots, tout... Tiens, c'est la voiture de Gina. Quoi, tu vas travailler avec cette idiote? Je ne peux pas la sentir. Encore une scène de jalousie. Tu sais bien que je t'aime, qu'il n'y a que toi qui compte. D'accord, mais t'es pas obligé de parler avec tes partenaires en dehors du travail, Richard. Hein? Ma chérie, je... Coucou! Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Richard. Richard? Oui. Richard, merci. Oh, j'ai tellement entendu parler de vous, je suis ravie. Dis donc, j'ai pas du gringue à mon mari, hein? Sinon, je te transforme en Quasimodo. Et bon, allez, on y va. Là, hein, là, tu te retournes, tu regardes le paysage, voilà. Et alors, tu pars du visage de France, tu vois, pour aller doucement sur celui de Cynthia. Voilà. Et toi, tu souris, vas-y. Henri, formidable! Ton œuvre commence à exister, viens voir. Non, dis-moi là, hé! Tu me dois un versement le premier jour de tournage. Athalie, tu as versé la dose prévue au contrat? Voilà. Bon, alors on va essayer de tourner la séquence où Gina gifle Richard. Bon, alors répétition, vas-y. Oh non, pas comme ça, c'est pas une vraie gifle, non, toi. Comme ça, voilà. Il faut de la violence. Il faut pas que quelque chose soit comme ça. Non, mais là, tu l'as fait mal. Non, regarde, il y a une donnée comme ça. Non, regardez. Non, regardez, ça violence dans le sport. Regarde, vas-y, je te le fais. Mais non. Ou alors, dans l'autre sens, tu vois. Hey, tu vas au moins. Il a mis quoi, hein? Dans moi qui vois. Ah non, t'es juste de deux. Je te fais un panda d'aquoi. Tu es comédien, toi aussi? Tu cherches l'inspiration dans la contemplation de ton moi profond. Alors, ça tourne, hein? Très bien. Oh là là, oh là là, oh non, 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 non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? On vous demande sur le plateau. J'ai une scène avec lui. Ah bah ça, je suppute, enfin je suppose. Dépêchons. Restez tranquille, reposez-vous, hein. On va venir vous chercher tout à l'heure. C'est la cinquième fois que je les réchauffe. On connaît qu'ils sont pas prêts de se réchauffer. Pardon? Hein? Et non, je parle des comédiens. Écoutez. Non, non, merci. Alors là, moi, je m'en vais. Maintenant, on va tourner, puisque Anne n'est pas là, la scène où Ricardo brûle les billets de banque. Tu as les billets de banque? Ah ben, l'assistant a toujours des billets. Bon, dépêche-toi, mais on n'a pas beaucoup de temps, hein. Moi, c'est pareil, je suis payé pour ça, j'ai plus rien. Allez, 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 Ricardo, à toi. Ils sont toutes là, en fait. Très belle imitation, je le dis qu'ils sont vrais. Oui, ben ils sont faux. Alors dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Allez, allez. Ça y est, Valentin, le feu. Nouvelle. Voilà. Bon, la caméra prête. La caméra toujours prête. Appelle Vladimir, fallait le dire avec le clap. Viens faire le clap. Ah, ah, j'ai besoin de vous, on dirait, là. Eh ben, tenez, là. Je vais vous porter, voilà. Les dents de l'amour, 125 premières. Ne te fatigue pas, il n'y a pas de son. Hein. Silence derrière! Mais j'ai rien dit! Action! La guerre, c'est une affaire d'hommes. Le Vietnam, les rizières, le brouillard, le brouillard. Coupé! C'était très bon! Alors maintenant, on fait le plan où tu tires sur Cynthia. Valentin, tu as le revolver? Un bon assistant a toujours un revolver. Ah bon, déjà? Bon, tu vas tirer avec ça. Hein? Mais il est bien. Il n'y a que trois balles à blanc. Oui, oui, mais ça, c'est pas grave. La première piste sera la bonne. Allez, pst, là-bas, à ta place. Et toi, Cynthia, tu viens ici, là, devant la fenêtre. Hein? Attention. Attention. Action. Tire. Tire, je te dis. Les pattes sont archi cuites. Coupette.
C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Allez, c'est parfait. Merveilleux. Mes verres de contact. J'ai le crève de mes verres de contact. Bon, bon, ça va. Alors, on fait un gros plan du bizarre. Le metteur en scène, c'est moi. Faut que j'arrête de lire Playboy, moi. Où ai-je garé ma toupie volante? Ah, voilà, voilà. Maintenant que j'ai retrouvé ma toupie géante, emmenez-moi à mon lieu de travail, au paradis terrestre. Je suis Dieu. Ça vous épate, hein? Et personne n'ose me croire, alors. Alors, les pâtes, ça va comme vous voulez? Non, la pâte, ça n'attend pas. À propos, vous n'avez pas des nouvelles de Pamela? Pamela? Oui, elle devait tourner aujourd'hui. Pamela ne tournera pas. Ah bon, et pourquoi donc? Parce qu'elle va devenir ma femme. Vous les âgés gentils, vous m'aidez, on va porter les pâtes. Allez, allez. Alors, sur chaud devant. Bon, alors, maintenant on va faire la scène où Gina embrasse passionnément Richard sur la bouche. Ma femme veut bien que je fasse tout sur le plan sexuel, mais pas de baiser sur la bouche, ça la rend jalouse. Ah non, 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 écoutez, ça je veux pas savoir. Vous embrasserez Gina sur la bouche. Allez. Je vous aurais prévenu. Oui, ça fait rien. Et puis c'est inutile de répéter, hein. Bataille. Mais non! Non! Pas comme ça! Bouge-toi, toi! Comme ça, tu prends là et... Tiens, Fabien, c'est toi qui as l'habitude. Montre-lui comment il faut faire. Allez! Ah, c'est bien ça! C'est une question de passion, le baiser, tu vois. Non, 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 non. Oui, non, ça... Non, ça suffit! Attention, il est dans le rythme des tangos! Oh! Bon, bon, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ah oui, chewing-gum. Ah, chewing-gum. Ça fait vrai, ça c'est du cinéma vrai. Voilà. Il est bon. Allez, fort. Allez, allez. Fonce. Seul. Non, ça va, tu veux que je t'aide. Et toi, passe. Non, il faut que je tire celle-là. Ah, c'est là. Oh, coupé. Non. Mes spaghettis sont fichés. Mais qu'est-ce que je vais dire à Bottino, moi? Vous comprenez, avant de l'acheter, je voudrais être sûre qu'elle lui plaise. Vous m'attendez une seconde, hein, je reviens tout de suite. Ah, oh, Pamela, Pamela, mon amour. Oh, cette fois, c'en est trop. Oh, oh, non, non. Alors là, c'est trop. Attends, qu'est-ce qu'il y a ça, non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Voyons, voyons. Il y a de la visite pour vous, là. Oh, ça veut dire des commanditaires. C'est Bottino. Vous arrêtez tout. Contrôle fiscal. Comment, monsieur Bouboule, c'est une plaisanterie? Non, et croyez-moi, ça va faire mal. Nous allons perquisitionner. Amuse bien ici, hein? Pardon, madame. Est-ce bien utile? Nous avons ordre de perquisitionner partout. Je sais pas, le ménage est coffre. Oui, c'est ça. T'as un revolver de théâtre, ça? Oui, évidemment. Elle est bien maquillée, votre figurant. Ça brasse une forte tête, il refuse de tempérer. Ah, c'est quand même bien foutu. Non! Non! Airlines vous souhaite la bienvenue. Suivez-moi.
et in secula, seculorum. Amen. Post-scriptum, ite missa est. Ite missa où? Est. Nom de moi. On gueule les anges ou je cogne. Ah, ben dites, je suis content de vous recevoir au paradis, hein, on commençait à s'ennuyer. Personne n'a plus l'idée originale. Faut croire qu'ils attendent l'inspiration du ciel, hein. Léopold, vous allez vérifier ma comptabilité, parce que depuis que mon fils est descendu sur Terre, rien n'est plus en ordre. Et puis Vladimir, faudra vous occuper de l'organisation d'un super show que François réalisera. J'ai tous les collaborateurs ici. Il y a Molière, il y a Shakespeare, il y a Racine, il y a Corneille, il y a Guitry, il y a Pagnol, il y a... Et les acteurs? Ils sont tous là. Il y a Brasseur, Gabin, Fernandel, Rému... Reagan? Ah non! Ça, il n'y a pas Reagan, parce que Reagan, il s'accroche. Vous parlez pour une fois qu'il a le premier rôle. Alors Léo, c'est oui? Dites, mon petit Léo, allez voir. Oui? Dites, j'ai une petite à caser. Oh, Pamela? Pamela. Pamela. Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh putain! Ça y est, j'ai les 15 briques. Si j'étais moins roux, moins sexy et plus gros, pas du tout viril, j'aurais la vie facile. Oh, je veux être à lui, il ne trouvera pas mieux. Ça, je lui ai pas l'idée, tout écrit dans mes yeux. Toutes les chances sont de mon côté, c'est le moment pour que je cavale. Tous les deux, on va s'éclater. Moi, moi, je dis, ça va faire mal. Mon petit bâton, moi, baiser. Lâche-moi le coude. Je n'aime que mon poisson, et voilà qu'une sirène, venue droit de la Seine, se prend à mon hameçon. J'ai dit non risque en épousant le fils. C'eût été dommage d'être une femme au chômage. Toutes les chances sont de mon côté, en amont comme en aval. Tous les deux, on va s'éclater. Moi je vous dis, ça va faire mal. Ça va me faire très mal. Aïe, aïe, aïe. J'aurais tout produit, même des tonnes de spaghettis. Quand pourrit les fixes, tourné dans un film X. Cette fois-ci, je tiens mon vrai sujet en or. Tout sur l'être humain, filmé dans un seul décor. Toutes les chances sont de mon côté, avec le fric, je me fais la malle. Mon talent va me faire éclater, moi je vous le dis, ça va faire mal. Avec le fric, je me tire, mais on le petit. Salaud. Je vais écrire mon œuvre au premier bistrot du coin. Ça sera un chef-d'œuvre, ça fera de ses foins. Je suis braqueur de fond, mais dans le fond, je suis un artiste. Je paye pour l'esthétique qui donne la coup sur le frisson. Toutes les chances sont de mon côté, faut que j'arrose mes fleurs du mal. Un bon film pour bien s'éclater, moi je vous le dis, ça va faire mal. Avec toutes les minettes qui à la rose, ça vaut le coup de ressusciter. J'arrive. Suffit pas de rêver que tout peut arriver. Faut se mettre en chemin, prendre les choses en main. Le Seigneur l'a dit, et nous tous en témoignent. Chacun par ici peut déplacer sa montagne. Toutes les chances sont de notre côté. Dieu nous invite à Saint-Jean. Dès l'amour pour nous éclater. Il nous dit ça va faire mal. Toutes les chances sont de notre côté. Dieu nous invite à Saint-Jean. Dès l'amour pour nous éclater. Il nous dit ça va faire mal. Toutes les chances sont de notre côté. Dieu nous invite à Saint-Jean. Dès l'amour pour nous éclater. Il nous dit ça va faire mal.